Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père, et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci de bénir encore cet après-midi. Nous sommes là pour te louer, pour t'adorer. Merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies, de manifester ta gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, grand roi de l'univers. Nous te louons, toi, le roi éternel. Seigneur, merci. Et ta fidélité, Seigneur. Nous sommes là pour te louer, toi, les grands rois. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Ô Maître du ciel et de la terre. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans ces cultes. Nous sommes là pour célébrer le roi éternel. Merci Seigneur pour ta grâce. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Merci, roi de l'univers. Maman Janine, un bon dimanche. Maman Mimika, un bon dimanche. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Santo,
sois le premier. Nous bénissons tes noms, nous sommes saints, nous sommes saints, l'agneau des dieux qui ont tout péché du monde. Seigneur, merci. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi, Seigneur. Nous t'élevons à la plus haute place, maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, agneau des dieux qui ont tout péché du monde. Nous te célébrons et nous te glorifions. Alléluia. Merci, l'agneau des dieux. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons et nous te glorifions, mon puissant de Dieu de Christ. Dieu tout-puissant, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Nous t'acclamons, toi, le roi éternel. Nous t'acclamons, toi, le roi puissant. Nous t'élevons à la plus haute place au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour ta faveur. Merci, Jésus, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci, Jésus, pour ton amour au nom puissant de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous sommes là encore cet après-midi pour te louer, pour te célébrer à cause de tes hauts faits, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Nous te bénissons, nous te glorifions. Alléluia. Merci, bien-aimé de la Sainte. Nous sommes là pour louer le Seigneur de gloire. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous le louons, nous le célébrons pour son nom grand, pour son nom puissant, pour son nom redoutable. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus. Ton amour nous remplit, Jésus. Quelle joie tu nous libères, Jésus. Ta mort nous rend la vie. Alléluia. C'est pour la liberté, nous ne serons plus jamais. De l'esclavage, fais avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit, Seigneur. Ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères, Jésus, ton amour nous rend la vie. En nous
son esprit. Alléluia. De la peur nous libère. Sans crainte, avançons vers lui. Le chemin est ouvert. Et là devant lui, sa paix, nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ton bon nous rend la vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ton bon nous rend la vie. Te célébrons. Toi qui es l'auteur de nos vies. Merci Jésus pour ta victoire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, nous remplis. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Célébrons tous ta victoire. Célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, t'amour nous rend la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous continuons encore à louer le Seigneur. Sa mort nous rend la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Ouh! Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre roi est couronné. Tout son règne est justice, notre roi est couronné. Sa parole soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers. Notre roi est couronné, tout son règne est justice. Notre roi est couronné, sa parole soutient les mots. Règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers, roi de l'univers. Alléluia, roi de l'univers. Alléluia, notre roi est couronné. Nous bénissons, nous les célébrons, n'est-ce pas, les dans le Seigneur. Nous les glorifions. Alléluia. Il est notre roi, n'est-ce pas? Nous pouvons le célébrer, nous pouvons le glorifier. Sa parole est vérité, sa parole est justice. Célébrons le roi des gloires. Alléluia. Merci Seigneur. Roi de l'univers. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Roi est couronné et tout son règne est justice. Notre roi est couronné et sa parole soutient le monde.
son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers. De l'univers. Roi de l'univers. Roi de l'univers. Alléluia. Notre roi est couronné, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il est couronné. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Oh, nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Te bénissons, nous te glorifions, notre Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton amour. Nous sommes là encore pour célébrer ton amour, Seigneur. Nom de nos vies de ton amour. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ton amour. Nous voulons t'adorer Seigneur pour ce que tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, Seigneur, merci. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
Merci Seigneur. Nous te louons parce que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, c'est une journée de louange. Nous louons Dieu, n'est-ce pas, pour ses hauts faits. Nous les louons parce qu'il est Dieu. Alléluia. Qui est Dieu? Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Alléluia. Si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qui soit loué, Jésus. Qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois. Louons, louons Jésus. Louons, louons le roi des rois. Satan, que ce soit le péché, Jésus a vaincu. Que ce soit le monde, Jésus a vaincu. À la croix, n'est-ce pas, il a vaincu. Jésus a vaincu. Alléluia. Seigneur, merci, grand roi de l'univers. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions encore cette journée de louange, d'adoration. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté et pour ta bienveillance. Merci, tendre Père, de venir
chacune de nos vies, ô Maître du ciel et de la terre. Seigneur, que tu répandes encore dans le cœur de tout un chacun de nous toute la louange, ô Maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Bénis ainsi ta parole, tendre Père. Bénis ton peuple. Bénis ton Église au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Toute la louange à l'agneau. Toute la louange à l'agneau des dieux. Alléluia. Toute la louange à l'agneau des dieux, bien-aimés dans le Seigneur. Toute la louange à l'agneau des dieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Toute la louange à l'agneau des dieux. Alléluia. À l'agneau des dieux. Toute la louange à l'agneau des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Toute la louange à l'agneau des dieux. Alléluia. Oh, c'est extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Rendre compte, n'est-ce pas, qu'il mérite la louange. Il mérite nos acclamations, n'est-ce pas, bien-aimé. Il mérite nos acclamations encore. Il mérite, bien-aimé dans le Seigneur, les cris de joie. Alléluia! Oh, alléluia! Bien-aimé, il mérite les cris de joie. Il mérite nos acclamations, bien-aimé dans le Seigneur. Toute la louange à l'agneau des dieux. Alléluia! Toute la louange à l'agneau des dieux. Apocalypse 5, le verset 1 à 14. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que nous devons apprendre à louer Dieu. Alléluia! Nous devons apprendre à adorer Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Louer Dieu, adorer Dieu, glorifier Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Magnifier Dieu! Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure, toute la louange à notre Dieu. Ah, Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse 5, du verset 1 jusqu'au verset 14. On va lire tout là, le chapitre 5 d'Apocalypse. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Retenez bien, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums qui sont les prières de saints. Tenez bien. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, et des coupes d'eau remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, les entendit qui disaient,
à celui qui est assis sur les trônes et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle de siècle. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les 24 vieillards et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure, toute la louange, n'est-ce pas, à l'agneau des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la louange à l'agneau des dieux. La louange, bien-aimés dans le Seigneur, c'est décrit, bien-aimés dans le Seigneur. C'est des cris de joie. La louange, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit des cris de joie, bien aimé dans le Seigneur, qui caractérise le peuple de Dieu. Je dis bien, la louange, ce sont des cris de joie qui caractérisent le peuple de Dieu. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que l'univers tout entier, bien aimé dans le Seigneur, est en train, bien aimé, de proclamer, de louer Dieu. La création, bien aimé dans le Seigneur, exprime sa joie, bien aimé dans le Seigneur, sous forme de louange. La création tout entière exprime sa joie sous forme de louange. Et d'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'humanité tout entière, l'univers tout entier, pour le louer, bien aimé dans le Seigneur. Louer, bien aimé dans le Seigneur, n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que faire du bruit. Louer, c'est faire du bruit en l'honneur du Créateur. Faire du bruit en l'honneur du Dieu puissant, vivant et vrai. J'ai dit bien faire du bruit en son honneur, le bruit de joie. Faire du bruit, hein, je pèse bien les mots, c'est faire du bruit. Et nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire ici nous fait réaliser combien, n'est-ce pas, bien aimé, lorsque l'apôtre Jean, qui, dans la situation qu'il traversait, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, il a vu, n'est-ce pas, bien aimé, l'agneau qui était assis sur son trône. L'agneau qui était assis sur son trône, bien-aimé dans le Seigneur. Et cet agneau plutôt, bien-aimé dans le Seigneur, d'une part, on le regarde comme agneau, d'autre part, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme un lion. C'est un lion. Le prophète, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait une vision, là. Jean, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait une vision. Et il est en train de décrire la vision qu'il a eue lorsqu'il a été pris, n'est-ce pas? Il était captif dans l'île de Patmos. Il a vu Dieu assis sur le trône. Comme la vision d'Ésaïe, n'est-ce pas, autrefois, bien aimé dans le Seigneur, du prophète Ésaïe. Il a vu Dieu, bien aimé, assis sur son trône, avec, bien aimé dans le Seigneur, un livre. Un livre, bien aimé dans le Seigneur, qui était scellé de sept sceaux. On dirait, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, le parchemin, n'est-ce pas? Sept sceaux, donc, un parchemin, deux parchemins, troisième parchemin, quatre, qui constitue, n'est-ce pas, un livre. Un rouleau, scellé de sept sceaux. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce rouleau-là, ou ce livre, scellé de sept sceaux, il était écrit, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, de part et d'autre, recto verso. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, dans cette description, bien aimé, de l'apôtre Jean, enfin, de Jean, dans l'île de Patmos, dans sa vision, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas entrer dans des interprétations des spécialistes. D'ailleurs, même là, il y a plusieurs interprétations. Les gens en discutent jusqu'à aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Mais tout ce que nous savons, bien aimé dans le Seigneur, c'est que les livres étaient scellés de sept sceaux. Personne ne pouvait, bien aimé dans le Seigneur, ouvrir les livres.
Mais elle dit qu'il y avait l'agneau bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait un ange bien-aimé dans le Seigneur qui a crié d'une voix forte. Qui pouvait être digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? L'ange a crié d'une voix forte. Bien-aimé, dans les cieux et sur la terre, personne ne fut digne d'ouvrir les livres, ni les regarder, d'en rompre. Il dit, il pleurait beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de le regarder. Mais c'est là, bien évidemment, l'un des vieillards lui dira, ne pleure point, les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Bien aimé dans le Seigneur, les lions de la tribu de Juda. Bien aimé dans le Seigneur, qui fait référence bien sûr les rejetons de David, n'est-ce pas, à Jésus, lorsque nous lisons dans Ésaïe 11, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit, le verset 10, il est écrit, en ce jour le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Et la gloire sera sa demeure. La gloire sera... Les rejetons d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Bien dans le Seigneur, il s'agit bien, n'est-ce pas, du Seigneur, le Messie. Et là, bien aimé, nous réalisons combien, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, on est en train de parler, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, bien aimé, il allait mourir, il allait ressusciter, n'est-ce pas, bien aimé. Et là, après, bien aimé, dans le Seigneur, la résurrection, bien aimé, il est celui, n'est-ce pas, qui aura la victoire. Alléluia. Donc, clairement, bien aimé, on est en train de parler carrément de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui devait payer la dette, lui qui devait payer le prix, bien aimé, dans le Seigneur, pour que l'humanité tout entière soit rachetée, pour que le peuple soit racheté, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. De la même manière, n'est-ce pas, bien aimé, que Israël a été racheté de l'esclavage en Égypte. Et là, Jésus devait racheter, bien aimé, dans le Seigneur, le peuple qui était sous le joug satanique, sous le joug du diable, et il fallait qu'il soit racheté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il devait, bien aimé, payer le grand prix. Rappelez-vous, bien aimé dans le Seigneur, même en Égypte, bien aimé, il fallait que l'agneau, bien aimé, l'agneau pascal, l'agneau, bien aimé dans le Seigneur, soit immolé. Pour que, bien aimé dans le Seigneur, qu'il soit, n'est-ce pas, qu'il prenne le sang, qu'il puisse mettre sur le linteau, quand l'exterminateur venait, n'est-ce pas, bien aimé, pour mettre les jugements sur l'Égypte, il passait outre en voyant le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Bien aimé dans le Seigneur, et Israël a été libéré du joug de Pharaon, de la servitude, de l'esclavage de Pharaon, bien aimé dans le Seigneur. Et pour appartenir, n'est-ce pas, à Dieu, pour être un peuple qui lui est acquis. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Jésus a payé ce prix-là à la croix de Golgotha. Et c'est ce prix-là qui a fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus, bien aimé, qui a payé son prix à la croix, qui a, bien aimé, accompli la rédemption, bien aimé dans le Seigneur, afin que, bien aimé dans le Seigneur, que le livre soit ouvert, vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Alléluia. Et j'ai vu au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Bien aimé dans le Seigneur, sept cornes symbolisent, n'est-ce pas, bien aimé, la puissance et la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa puissance, c'est lui qui fut digne. Il avait vaincu, bien aimé, il est puissant, n'est-ce pas, pour vaincre, malgré l'attitude d'une certaine faiblesse en tant qu'agneau, bien aimé dans le Seigneur. Mais d'une part, bien aimé, il est le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Il a toute sa puissance, n'est-ce pas, pour vaincre. Alléluia. Il fut digne, n'est-ce pas, bien aimé? La corne symbolise la puissance et la dignité même, bien aimé dans le Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette dignité royale du Seigneur Jésus-Christ. Il a eu le pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, pour racheter le peuple de toutes les nations, de toutes tribus, de toutes langues. Bien aimé, un pouvoir sans mesure. Un pouvoir sans mesure, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé,
il a vaincu, n'est-ce pas? Alléluia. Pour ouvrir les livres et d'en rompre les sept sceaux. Alléluia. Dans le monde, dans le Seigneur, c'est le Jésus, malgré, n'est-ce pas, bien-aimé, sa faiblesse, malgré sa douceur en tant qu'agneau. Mais d'une part, bien dans le Seigneur, il marche en vainqueur. Il a toute la puissance pour vaincre. Soyez doux comme la colombe. Alléluia. Prudent comme les serpents, malgré la douceur de l'agneau. Malgré l'obéissance, bien-aimé, malgré la soumission, bien-aimé, en tant qu'agneau. Mais bien aimé, il regorge, n'est-ce pas, une puissance, il regorge, bien aimé, un pouvoir sans mesure pour vaincre, bien aimé, dans le Seigneur, toute puissance sur son chemin. Alléluia. L'agneau, bien aimé, immolé. Alléluia. Qui possède, n'est-ce pas, bien aimé, cet esprit de Dieu envoyé sur toute la terre, bien aimé, dans le Seigneur, pour montrer, n'est-ce pas, qu'il avait la connaissance, bien aimé. Jésus a la connaissance de tout ce qui se passe sur la terre tout entière. Il connaît même tes pensées, avant que la parole ne soit sur ta langue, mais il la connaît, bien aimé, dans le Seigneur. Il connaît toutes choses, rien n'échappe à son contrôle. L'agneau immolé connaît toutes choses, et rien n'échappe à son contrôle, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Celui bien aimé dans le Seigneur, il est fini. Il a pris les livres dans la main droite de celui qui était dans la main droite du Père. Alléluia. Et quand il a pris les livres, bien-aimés, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, ils se sont prosternés devant l'agneau. Chacun tenait, n'est-ce pas, une râpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières. Et ils chantaient un cantique nouveau, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils chantaient un cantique nouveau. Pourquoi, bien-aimés? Parce que Jésus, bien-aimés, dans le Seigneur, il a ouvert, n'est-ce pas, bien-aimés, de nouvelles perspectives pour notre, alléluia, pour notre victoire, de nouvelles perspectives, bien-aimés, pour notre destinée. Une destinée, bien aimé, qui était d'abord vouée, n'est-ce pas, bien aimé, dans le ténèbre, qui était vouée à l'échec, mais de nouvelles perspectives ont été ouvertes pour que nous puissions marcher en vainqueur, pour que nous puissions marcher dans la paix, pour que nous puissions marcher dans la joie, pour que nous puissions marcher, bien aimé, dans la louange de celui qui nous a sauvés. Désormais, nous ne serons pas là pour pleurer. Mais nous allons reconnaître que celui qui nous a sauvés, nous devons maintenant le louer, bien aimé. Nous avons été rachetés pour le louer, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons été rachetés, bien aimé, à un grand prix, bien aimé, parce que c'est au prix de son sang, au prix du sang de l'agneau, bien aimé, dans le Seigneur. Il a versé son sang, bien aimé, dans le Seigneur, pour nous arracher, bien aimé, de l'esclavagisme du diable, de l'esclavagisme de la chair, de l'esclavagisme, n'est-ce pas, bien aimé, du péché. Alléluia. Bien aimé, dans le Seigneur, Jésus a payé un grand prix. Et désormais, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre, bien aimé. C'est lui avec Jésus, nous régnons, bien aimé. Avec lui, nous régnons, bien aimé, dans le Seigneur. Avec lui, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Voilà pourquoi il a dit dans Luc 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire parce que l'agneau a vaincu. » Alléluia. Il a été digne, n'est-ce pas, d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, bien aimé dans le Seigneur. Et les 24, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards pouvaient chanter un cantique nouveau, bien aimé dans le Seigneur, à cause de nouvelles perspectives qui se sont ouvertes face à nous, bien aimé, devant nous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Ils régneront, bien aimé dans le Seigneur. Désormais, nous régnons avec le Seigneur. Et nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, alléluia, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, il nous a donné le pouvoir. Et n'est-ce pas? Nous saisirons, alléluia, même si nous buvons quelques breuvages mortels, ça nous fera aucun mal. Nous chasserons les démons, alléluia. Et ils obéiront aux puissants de Jésus. Bien aimé, dans le Seigneur, nous croyons, bien aimé, il a fait de nous de véritables croyants. Il a fait de nous de véritables enfants de Dieu pour que nous puissions désormais régner avec lui, non seulement sur la terre, mais régner avec lui au siècle de siècle, bien aimé dans le Seigneur. Dans le règne millénaire, nous régnerons avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons croire véritablement à ce que le Maître a fait de nous. Alléluia. Et le verset, il dit, n'est-ce pas, bien aimé, les myriades, les anges, n'est-ce pas, la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres, et des êtres vivants et des vieillards, leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. L'agneau qui a été immolé, bien aimé, voilà, bien aimé, l'héritage qu'il nous a donné.
C'est parce que, bien aimé, il a été immolé, bien aimé, dans le Seigneur. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la puissance, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Alléluia. Bien aimé, c'est l'héritage que le Seigneur nous a laissé, bien aimé, dans le Seigneur. Il nous a laissé cet héritage, bien aimé, dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, bien aimé? La puissance. Il nous a laissé l'héritage de puissance. Il nous a laissé l'héritage de la richesse, l'héritage de la sagesse, l'héritage de la force, l'héritage de l'honneur, l'héritage de la gloire, l'héritage de la louange, bien aimé, dans le Seigneur. Cet héritage qu'il nous a légué pour avoir vaincu, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Pour avoir vaincu, bien aimé, il nous a laissé, bien aimé, dans le Seigneur, cet héritage, cet, bien aimé, dans le Seigneur, pour montrer la perfection de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour montrer la perfection de Dieu. Alléluia. Oh, tendre Père, merci. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Seigneur, nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Oh, Maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu. Oh, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur? Voyez toute la louange, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. C'était, bienvenue, réservé à notre Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Donc, Dieu nous appelle à le louer. Alléluia. Il nous appelle, bienvenue dans le Seigneur, à le louer. Faire du bruit, bienvenue dans le Seigneur. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Faire du bruit à cause de ce qu'il a fait. Faire du bruit, bien-aimé, dans le Seigneur, à cause de ce bienfait. Faire du bruit à cause de sa fidélité. Alléluia. Et là, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est l'univers tout entier. Alléluia. Donc, la louange, bien-aimé, dans le Seigneur, bien, la louange doit être centrée sur les œuvres de Dieu. La louange doit être centrée sur ce que Dieu a fait. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, qui les entendait, disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Mais la louange est l'héritage que Dieu nous a laissé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un héritage qu'il nous a laissé, bien-aimé dans le Seigneur. Cet héritage, bien-aimé, c'est le fait, bien-aimé. Nous devons centrer, n'est-ce pas, bien-aimé, être reconnaissants envers Dieu. La louange doit être centrée sur Dieu. Les cris de joie, les bruits de joie, reconnaître ce que Dieu a fait, reconnaître ce que Dieu est en train de faire et dire ce que Dieu fera. Faire du bruit en son honneur. Alléluia. Seigneur, merci, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Bien-aimé, Dieu nous a créés pour le louer. Alléluia. Dieu nous a créés pour. D'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même est content. Alléluia. Mais Dieu loue, n'est-ce pas, sa création. Il est content, regardez un peu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu lui-même. Si Dieu lui-même se réjouit de sa création, à combien plus forte raison vous et moi, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous devons centrer notre louange, bien aimé, sur le bienfait de Dieu, sur les œuvres de Dieu, parce que Dieu lui-même, bien aimé, se réjouit, n'est-ce pas, de sa création. Dieu lui-même est content, est heureux, bien aimé, dans le Seigneur, de tout ce qu'il a fait. Il se réjouit, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, Dieu se réjouit de sa création. Ouais, n'est-ce pas? Quand on voyait, n'est-ce pas, chaque fois, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Lorsque nous lisons dans Genèse 1, n'est-ce pas, le verset, Genèse 1, le verset 31, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons Dieu se réjouir. Alléluia. Dieu est en train de se réjouir, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu se réjouit et voici tout ce qu'il avait fait était bon et même très bon. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu, bien-aimé, qui est content, n'est-ce pas, lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons, lorsque nous le célébrons, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est content. Dieu se réjouit, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a fait pour le louer. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon.
Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, c'est fini. Dieu se réjouit, bien aimé dans le Seigneur. Mais la loi, c'est une réjouissance. La réjouissance, n'est-ce pas, bien aimé, à cause de tout ce que Dieu a fait. La louange, bien aimé dans le Seigneur. C'est la caractéristique de véritable racheté. J'ai dit, mais la loi, c'est la caractéristique de véritable racheté. Il a racheté pour Dieu. Les hommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu, il a racheté pour Dieu. Eh bien, et a été, bien aimé, racheté. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a rachetés pour que nous puissions le louer et l'adorer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il nous a rachetés pour que nous puissions le louer et l'adorer. Donc, notre existence sur terre, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour louer et adorer Dieu. Arrêtons de nous tromper, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons de nous tromper, bien-aimés dans le Seigneur. Notre présence sur la terre des hommes, nous avons été créés pour louer et adorer Dieu. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je répète encore, nous avons été créés pour louer et adorer Dieu. Alléluia. Nous avons été créés pour louer Dieu. C'est tout, bien-aimé dans le Seigneur. Ouais, mais je suis là, ma vie, j'ai des projets. Non. N'oublie pas, tu as été créé pour louer Dieu. Donc, ta vie doit être centrée sur la louange de Dieu. Ta vie doit être centrée sur la louange de Dieu. N'oublie pas. Au lieu de passer le temps à crier, ouais, je devais avoir ceci, Dieu n'a pas fait, il aurait dû faire, c'est dommage, je suis déçu. Non, ne passe pas le temps à être déçu pour rien. Tu as été créé pour louer Dieu. Loue Dieu! C'est tout. Loue Dieu. Alléluia. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais dis, Seigneur, ce n'est pas pour ça que j'ai été créé. J'ai été créé pour te louer, point barre. Le reste, si tu me donnes, ok. Si tu ne me donnes pas, ce n'est pas grave. Mais du moins, le but pour lequel je vis, c'est pour te louer. Alléluia. C'est pour te louer, bien aimé dans le Seigneur. Tu as racheté pour Dieu. Regardez, 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Bien aimé dans le Seigneur, nous avons perdu, dès lors que tu as été racheté, n'est-ce pas, tu perds le droit de propriété. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu automatiquement, n'est-ce pas, ta demeure, ta vie, n'est-ce pas, devient la demeure de Dieu. Et si tu as la demeure de Dieu, tu deviens, n'est-ce pas, le lieu de louange. La demeure de Dieu. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu. Louez Dieu, célébrez Dieu. Alléluia. Rendez gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu. Il nous a racheté à un grand prix. Donc nous avons été créés, bien-aimés, pour louer l'agneau de Dieu. Toute la louange à Dieu, à l'agneau de Dieu. Je sens, c'est un héritage que nous avons reçu de Dieu. Il nous a légué cet héritage. Lui-même, il s'est réjoui, n'est-ce pas, bien-aimé? Et il nous a légué cet héritage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, de louer Dieu. Alléluia. Ah, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? C'est un héritage. C'est un héritage, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un de cet héritage, n'est-ce pas, merveilleux que nous avons reçu de Dieu. Mais nous nous concentrons à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Nous nous concentrons à la richesse. Nous nous concentrons à la gloire. Mais toutes ces choses-là, bien-aimé, c'est toujours en rapport avec Dieu. Rappelez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé, cet homme riche, n'est-ce pas, Dieu le dit, tu devais, il faut être riche pour Dieu. C'est pour lui. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour lui. Et regardez, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit, tu as immolé pour Dieu. Hein? Alléluia. Tu es digne. Regardez. Bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit,
Et ils chantaient le verset, Apocalypse 5, le verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, mais le monde entier a été créé pour louer Dieu. L'univers tout entier a été créé pour louer Dieu. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été, qu'on soit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on soit américain, qu'on soit africain, qu'on soit, n'est-ce pas, chinois, qu'on soit, je ne sais pas, européen, qu'on soit, je ne sais pas, bien-aimés, toutes les âmes, nous avons été créés pour louer Dieu. Aucun peuple n'a été créé en dehors, bien-aimés dans le Seigneur, de ce projet de Dieu. Tu as fait de un royaume et des sacrifices pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Et il disait, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange est digne de recevoir, de recevoir la louange. Bien, mais ces héritages-là, il nous les a donnés aussi. Bien, mais, et c'est Dieu, bien, dans le Seigneur, qui est en train de nous louer aussi. Bien, mais, dans le Seigneur, Dieu te loue. Lorsque tu es un vrai chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te louer aussi. De t'encenser. Alléluia. Rappelez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé, comment Dieu était en train de louer Job. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu louait Job devant Satan. Il dit, Job, c'est mon serviteur. Il me sert. C'est mon serviteur, il me sert. Dieu était en train, n'est-ce pas, bien-aimé, de louer Job devant Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, que la louange, n'est-ce pas, bien-aimé, vienne de Dieu. Ne cherche pas ce que les gens commencent à te louer, n'est-ce pas? Les gens commencent à t'encenser. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, tu passeras à côté de l'essentiel. Tu passeras à côté de l'essentiel, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je dis bien, tu passeras à côté de l'essentiel. Laisse Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, te louer. Les gens, bien-aimé dans le Seigneur, vont te louer, mais pas de la manière de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse Dieu te louer. Alléluia. Bien-aimé, laisse Dieu te louer. Regardez bien. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans Romains. Romains. Romains, bien-aimés dans le Seigneur, 3 et 2. Romains 2. Je voudrais ici. Romains 2, le verset 29. Regardez ce qui est écrit. Romains 2, le verset 29. La Bible nous dit, je vais commencer à partir du verset, peut-être le verset 28, comme ça les choses seront beaucoup plus claires, n'est-ce pas? Pour montrer bien dans le Seigneur que tu es celui-même qui doit être encensé, tu dois être bien dans le Seigneur, loué, mais c'est Dieu lui-même qui va te louer, n'est-ce pas? Pas les hommes, mais c'est Dieu qui va te louer, bien dans le Seigneur. Romains 2. Le verset 28. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a de dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. La loi de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qui ne veut pas être loué, n'est-ce pas? Qui ne veut pas être encensé? Qui ne veut pas être acclamé, bien? Qui ne veut pas, n'est-ce pas, que les gens poussent des cris de joie en son honneur? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les gens sont dans un stade, ils sont en train de jouer le football, ou je ne sais pas, le tennis, ou n'importe quel sport, ou n'importe les athlètes, les gens sont, des milliers de gens sont tout autour. Ils les acclament, bien-aimé dans le Seigneur, ils les acclament.
Ce sont eux qui ont la gloire. On le loue, n'est-ce pas, de leur performance, de leurs efforts. Mais ceux qui sont en train de louer, n'est-ce pas, rentrent chez eux sans rien. Mais eux, ils ont peut-être, n'est-ce pas, ils ont les bien-être de l'océan. Ils ont les trophées. Ils ont les trophées. Et ceux qui le louent, n'est-ce pas, rentrent même réduits. Ils ont seulement la joie de voir eux, n'est-ce pas, être des vainqueurs, de le voir avoir le trophée. Mais eux, ils le louent, n'est-ce pas, ils rentrent chez eux sans rien. Et bien, mais nous, n'est-ce pas, nous louons Dieu. Et lorsque nous le louons, nous ne rentrons pas sans rien. Nous louons Dieu, bien-aimés. Nous rentrons, bien-aimés, dans le Seigneur guéri. Nous rentrons, bien-aimés, dans le Seigneur joyeux. Nous rentrons avec la paix. Oh, alléluia, bien-aimés, dans le Seigneur. Gloire au Seigneur, regardez bien. C'est extraordinaire, hein. Bien-aimés, la loi de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais des dieux. C'est Dieu, bien-aimés, qui est en train de te louer, qui est en train de t'acclamer. C'est Dieu qui est en train de t'encenser, bien-aimés, dans le Seigneur. Oh, bien-aimés. Savoir faire du bruit, n'est-ce pas? Il faut savoir faire du bruit pour Dieu. 1 Chronique 16, le verset 4 à 7. 1 Chronique 16. Je n'aurais peut-être pas projeté, n'est-ce pas? Mais je vais le lire. 1 Chronique 16. Vous allez voir. 1 Chronique 16. Un Chronique 16. Le verset 1. Un Chronique 16. Le verset 4. Il remit à des Lévites la charge de faire les services devant l'arc de l'Éternel. D'invoquer. Ça, c'est David, hein. Rappelez-vous, n'est-ce pas, venu dans le Seigneur. Je préfère commencer par le verset 1. Voilà. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéel, Shemiramoth, Jéiel, Mathia, Elia, Benaja, Obededom et Jéiel. Ils avaient des instruments de musique, de lutte et de harpe. Asaph faisait retentir des cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jekaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance des dieux. Et ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Voilà, bien le Seigneur. Le verset 8, 1 Chronique 16, le verset 8. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, bien aimé dans le Seigneur. Ce pourquoi Dieu nous a créés, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes appelés à louer continuellement Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Non pas seulement des occasions spéciales. Oh, lorsque tu as été béni, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce jour-là, n'est-ce pas? Tu mets la louange, tu danses, tu cries. Oh, Dieu m'a fait du bien. Dieu s'est souvenu de moi. Oh, j'attendais un enfant, Dieu me l'a donné. J'attendais un travail, Dieu m'a donné le travail. Oh, j'attendais l'argent, Dieu m'a fait une surprise. On m'a béni avec de l'argent. Oh, lorsque, bien-aimé, lorsque tu n'es pas exaucé, tu ne loues pas Dieu. Tu es dans la tristesse. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons continuellement louer Dieu, même lorsque nous en avons, même lorsque nous n'en avons pas. Tu dois savoir, tu as été créé pour louer Dieu. Nous devons le louer, non pas des occasions spéciales. Louer l'Éternel, invoquer son nom, faites connaître parmi les hauts faits. Mais tu as au moins les hauts faits de Dieu, bienvenue dans le Seigneur. Faites connaître ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Parler de toutes ces merveilles, bien évidemment. Oh là là, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? 1 Chronique 16, le verset 8, n'est-ce pas, bien aimé, et 9. Parler de ces merveilles, bien évidemment, dans le Seigneur. Faites connaître ces hauts faits, parler de ces merveilles. Est-ce que vous imaginez, bien évidemment, dans le Seigneur?
faites connaître ses hauts faits, parlez de ses merveilles. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un chronique, n'est-ce pas? Un chronique 16. Bien aimé, le verset 8. Le verset 8, 1 Chronique 16, le verset 8 à 9. Regardez, n'est-ce pas? Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples, c'est par un seul peuple, par le monde entier, bien aimé. Nous sommes appelés à faire connaître, n'est-ce pas, bien aimé? Les hauts faits, bien aimé. Louez Dieu, n'est-ce pas, bien aimé? C'est le louer pour ses hauts faits. Le glorifier pour ce qu'il a fait. Même s'il ne l'a pas fait dans ta vie, mais ce qu'il a fait dans sa parole. Oh, comment est-ce que je vais louer Dieu jusque-là? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Je ne vois pas ce que Dieu a fait. Non, non, bien-aimé, toute la loi doit revenir à Dieu. Tu dois louer, mais tu dois le louer pour ses hauts faits. Ce qu'il a fait pour Israël, ce qu'il a fait pour un peuple tel, ce qu'il a fait même pour les gens autour de toi. Tu dois le louer, Seigneur, tu l'as fait pour tel. Je te loue pour ta grandeur, pour ta puissance, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas de merveilles de Dieu que tu connais tout autour de toi, n'est-ce pas? Pour parler des merveilles de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, parle des merveilles de Dieu. Parle, bien-aimés dans le Seigneur, de ce que Dieu a fait. Alléluia. Parle de ce que Dieu a fait, bien-aimés dans le Seigneur. Je disais tout à l'heure, la loi doit être centrée sur Dieu, sur ses hauts faits, sur ses merveilles, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, la loi doit être centrée sur Dieu. David avait compris, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, ils ont commencé à chanter, bien-aimés, à faire du bruit. Regardez un peu. Esdras. Esdras 3. Esdras 3. Faire du bruit, n'est-ce pas? À l'honneur de notre Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, bien dans le Seigneur, malgré les oppositions, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, Sambala, Tobija, bien aimé, les ennemis d'Israël, Esdras, bien aimé dans le Seigneur, qui a été appelé, bien aimé, pour, n'est-ce pas, bien aimé, la reconstruction, n'est-ce pas, du temple, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les ouvriers ont posé les fondements du temple de l'Éternel, ont fait assister, n'est-ce pas, les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Bien-aimés, ils poussaient des grands cris de joie en célébrant l'Éternel. Je disais, bien-aimés dans le Seigneur, louer, bien-aimés dans le Seigneur, c'est faire du bruit en l'honneur de Dieu. C'est faire du bruit, bien-aimés, tout peuple, n'est-ce pas, tout le peuple de la terre, tout le peuple ont été créés pour faire du bruit en l'honneur de Dieu, le bruit de joie. Alléluia. Mais plusieurs des sacrificateurs des Lévites et les chefs de famille âgés, n'est-ce pas, qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux le fondement de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Les pleurer à grand bruit, bien-aimés, c'est peut-être des pleurs, n'est-ce pas, le pleur de joie, bien-aimés dans le Seigneur. Ils pleuraient à grand bruit parce qu'ils ont vu, bien-aimés dans le Seigneur, comment, n'est-ce pas, bien-aimés, la maison avait été détruite. Ils ont vu ce qui était impossible, était devenu possible. Ils disaient, Seigneur, qui peut faire des choses pareilles? N'avez-vous jamais vu, bien-aimés dans le Seigneur, les gens, le jour du mariage, parfois des gens en train de pleurer? Les pleurs de joie. Pleurer à grand bruit, de joie, à cause de ce que Dieu a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Ils faisaient éclater leur joie, pas de, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne se moque pas de toi. Si tu te moques de quelqu'un en train, bien-aimé, de pousser des cris de joie en l'honneur de Dieu, tu auras affaire avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu auras affaire avec Dieu. Je dis bien, tu auras affaire avec Dieu. Alléluia. Tu auras affaire avec Dieu.
Ne témoigne pas, bénémoine, dans le Seigneur, de celui qui est en train de danser dans la maison du Seigneur, de celui qui est en train de tourner pour la gloire de son Dieu, de celui qui est en train de sauter. Tu témoignes, non, là, il y a, prends ta dignité, tu la mets par terre. Il n'y a que l'agneau qui est digne, n'est-ce pas, bien-aimé? Il est digne. Bien-aimé, tu dois mettre ta dignité à terre. Tu dois mettre, n'est-ce pas, ton rang social à terre. Tu dois mettre ton intellectualisme à terre. Tu dis, ici, là, c'est danser, louer Dieu. C'est un peu bizarre, bien-aimé, dans le Seigneur. Je vois parfois les gens, quand on va dans les fêtes, les gens n'ont pas honte, n'est-ce pas, de danser les musiques mondaines, les musiques païennes, les musiques mondaines, bien-aimé. Parfois, dans ces musiques-là, bien-aimé, on est en train d'encenser une femme. On est en train de pousser des cris, n'est-ce pas, des insanités dans le cri. Mais les gens sont heureux de danser. Et des gens sérieux, des gens corrects. Mais les mêmes personnes dans l'église, vous les voyez, sérieux en train de regarder celui qui saute. Comme pour dire, mais il est ivre ou quoi. Bref, en fait, c'est pour dire que c'est normal dans les mondes. Nous dansons, nous chantons des choses que nous ne comprenons peut-être pas parce que nous sommes ivres. Nous perdons le sens. Mais ici, vous avez tous les bons sens. Pourquoi vous dansez? Dans les bars, nous dansons parce que nous perdons les bons sens. Avec l'alcool, avec la drogue, avec la cigarette et autres. Mais ici, vous avez tous les bons sens. Mais pourquoi sauter, crier comme ça déjà? Ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons les bons sens. Parce que nous sommes en train, bien-aimé dans le Seigneur, de déclarer ces hauts faits. Nous sommes en train, bien-aimé, de déclarer ces merveilles. Nous sommes en train, bien-aimé, de célébrer son amour et sa fidélité envers nous. Que si je suis en vie maintenant, là, en train de sauter, parce qu'il m'a donné la vie. Si je suis là en train de glorifier, parce qu'il m'a donné le soulevé, je dois sauter pour lui. Parce que je lui dois. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez vu dans ce monde ici, bien-aimé, combien de rois, bien-aimé, sont encensés, sont acclamés. On danse. Je connais l'un des présidents de notre pays, là, la RDC, Mobutu, pour ne pas citer son nom. Bien-aimé, nous avons dansé, n'est-ce pas, en l'honneur de cet homme-là. Le jour qu'il descend quelque part, les gens dansaient en son honneur. À l'honneur d'un homme. Non, il a chosifié les gens. Les gens l'encensaient, les gens le louaient, les gens dansaient devant lui. Les mêmes gens, quand ils se convertissent, ils deviennent chrétiens, n'est-ce pas? Pour louer, adorer Dieu pour ses hauts faits, pousser les grands bruits en l'honneur. Oh, bien, ici, la loi, c'est dit, c'est faire du bruit en l'honneur de Dieu. J'ai dit, faire du bruit. Est-ce que vous suivez là? Plusieurs des sacrificateurs des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Écoutez bien, verset 13. En sorte qu'on pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit de pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont les sons s'entendaient au loin. À cause du fait que Dieu a permis qu'il puisse poser, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, le fondement du temple. De ce temple qui a été détruit. Nous étions désespérés. On ne pouvait jamais s'y mettre, mais parce que toute l'activité, n'est-ce pas, d'Israël est tournée autour du temple. Israël, c'est Dieu ou rien. Eh bien, Dieu, ça dit que quelque part, tout était mort. Parce qu'il n'y avait plus de temple. L'activité spirituelle était morte, bien-aimé dans le Seigneur. Et dès lors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on a posé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 5, le verset 12. Bien-aimé, la loi doit être centrée sur Dieu. Sur les œuvres de ses mains, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, c'est extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 5.
Ésaïe 5. Je prends le verset 11. Bienvenue dans le Seigneur. Le verset 11 et le verset 12 de Ésaïe 5. Parce que, juste pour montrer, bienvenue dans le Seigneur, que nous avons été créés, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, pour le louer. Regardez. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés par les vins. La harpe, les luttes, les tambourins, la flûte et les vins animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de sa main. Alléluia. Bien aimé, le voyez, n'est-ce pas? Malheur! Bien aimé, ceux qui sont joyeux dans leur fête, ils dansent, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, oh là là, les musiques païennes, les musiques mondaines, ils sont ivres, n'est-ce pas, ils sont heureux. Mais dans tout cela, bien dans le Seigneur, ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, ils ne voient point le travail de sa main. Nous avons été créés, bien-aimés, pour louer Dieu. La louange, bien-aimés, doit être centrée sur ses hauts faits. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous ne dansons pas la musique païenne, la musique mondaine. C'est pour louer qui? On est en train de chanter la nature. Nous ne pouvons pas louer la nature. Même la nature elle-même, elle doit louer Dieu. Donc je ne peux pas être là en train de louer, d'encenser la nature, de louer la nature. La nature elle-même, elle a été créée pour louer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été créés pour le louer. Tu as été créé pour le louer, pour faire du bruit. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Cette louange, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, non seulement elle est permanente, elle est immédiate, mais elle s'étend, bien dans le Seigneur. Elle est continuelle. Dans l'espace et dans le temps. N'importe où que je me trouve, n'est-ce pas, je dois louer, adorer Dieu. À n'importe quel moment, n'importe où, bien aimé, tu dois louer, adorer Dieu. Dans l'espace-temps, tu as été créé pour louer et adorer Dieu. Tu as été créé pour louer et adorer Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, bénis le Seigneur, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Nous avons été créés, bénis le Seigneur, pour louer et adorer Dieu. Alors, tu n'as pas besoin de dignité là-dedans. Ne regarde pas ta dignité. Ne regarde pas ton rang social. Ne regarde pas l'endroit où tu es pour dire, mais ici, là, à des moments pareils, il faut faire attention. Non. À toute occasion, bien-aimé, loue Dieu pour ses hauts faits. Je prends un exemple, hein. 1 Samuel 16. Alléluia. Je prends 1 Samuel 6 d'abord. Le verset 5. Parce que j'ai parlé de la dignité, n'est-ce pas? Alléluia. Et 2 Samuel 6, excusez-moi. 2 Samuel 6. Je l'ai pris dans 1 Chronique 16, mais je le prends, n'est-ce pas, dans 2 Samuel 6. David, avec tout le peuple, était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé Juda pour faire monter la l'arche de Dieu devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins. Et au-dessus de l'arche, ils mirent un char neuf, l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline.
Uza et Akijo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marcha à côté de l'arche de Dieu et Akijo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel et toutes sortes d'instruments, de bois, de cypresses, des harpes, de luttes, des tambourins, des sistres, des cymbales. Bienvenue dans le Seigneur. David et toute la maison jouaient devant de toutes sortes d'instruments. David était en train de jouer, bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue. David était en train de jouer. Vous imaginez? Bienvenue. David était en train de jouer, de danser. Vous suivez bien le verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'heure du Uza étant. Ça, c'est la verset 5. David et toute la maison jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, des bois, des cypresses, des harpes, de luttes, des tambourins, des cymbales. David jouait devant l'Éternel. Et toute la maison d'Israël jouait devant l'Éternel. Ils étaient en train de louer Dieu, bénévole dans le Seigneur. David. Mais regardez le verset 20. Hein? Le verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, des serviteurs, comme découvrait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Oh non, non, c'est fort, ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très fort. Je voudrais vous projeter ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très fort. C'est très fort, bien-aimé dans le Seigneur. C'est tellement fort, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, c'est devant lui que j'ai joué. Alléluia. C'est devant ce Dieu-là que j'ai joué. Michal, ne t'inquiète pas. Alléluia. Dieu m'a choisi de préférence à ton père. Alléluia. C'est devant ce Dieu-là, devant l'Éternel, que j'ai dansé. Devant l'Éternel que j'ai dansé. Bienvenue dans le Seigneur. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Il dit, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Pas devant un homme, mais c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Il a dansé de toutes ses forces. Il dit non, ce n'est pas devant un homme. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et c'est Dieu-là m'a choisi de préférence à ton père. Et puis encore, il dit, je vais paraître encore plus vil. Oh, non, c'est incroyable. C'est incroyable, bien dit le Seigneur. Où est-ce? Je n'ai pas de dignité. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et le verset 22. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Michal a été frappé. Or, Michal, fille de Saul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Dieu frappa Michal parce qu'il s'est moqué de David. David, bien-aimé, qui dansait devant Dieu. David, qui dansait devant de toutes ses forces, bien-aimé. David dansait de toutes ses forces devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le verset 16 nous dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez le verset 16 de Samuel. Le verset 16 de Samuel, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le verset 16 de Samuel. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est écrit. Qu'est-ce que David faisait? Bien-aimé, David dansait de toutes ses forces.
Le verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, et elle le méprisa dans son cœur. David sautait et dansait. Alors quand tu es entré dans l'église, tu as comme l'impression que tu es... Ne sois pas sérieux, mais prends ta dignité, mets par terre. Loue Dieu. Célèbre Dieu. Que toute la gloire soit centrée sur l'agneau, sur ses bienfaits, sur ce qu'il t'a racheté. Tu étais voué à l'esclavagisme. Tu étais voué à la mort. Tu étais un condamné à mort. Tu étais un condamné, n'est-ce pas, à la misère, à la pauvreté, à la souffrance, au malheur. Tu étais censé vivre dans le ténèbre. Mais c'est lui qui est venu t'éclairer. C'est lui qui est venu te sortir de la misère. C'est lui qui est venu te sortir de la souffrance, de l'horreur. Bien-aimé dans le Seigneur. Prends le temps de le louer, de l'adorer. Prends le temps de le célébrer, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Ne te moque pas de l'enfant de Dieu. Lorsqu'il est en train de louer, de danser, tu te dis, oh, ces gens sont des fous, bien-aimés. Michal a été frappé de stérilité. Parce que tu te moques de son Dieu. Parce que lui, il est en train de danser devant son Créateur, devant son roi, celui qui l'a fait, celui qui l'a choisi, celui qui a fait de lui son serviteur. Il est en train de danser pour lui. Et toi, tu te moques de lui, tu te moques de Dieu. Donc si aujourd'hui, bien aimé, dans ta vie, n'est-ce pas, dans l'église, parfois tu te moques de certaines personnes, arrête de te moquer des gens dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, que toute notre louange soit centrée sur le Seigneur. Centre ta louange sur Dieu. Apprends à louer Dieu pour ses hauts faits, pour ce qu'il a fait. Apprends à le louer, bien aimé dans le Seigneur. Je parlerai prochainement, n'est-ce pas, des conséquences, n'est-ce pas, de la louange. Ici, je montre, n'est-ce pas, comment notre louange doit être centrée sur Dieu. Loue Dieu. Dans les malheurs, loue-le. Dans les bonheurs, loue-le. Dans la souffrance, loue-le. Loue Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Apprends à danser pour lui. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Jésus a dit, n'est-ce pas, celui qui me renie, je le renierai aussi devant mon Père. N'aie pas honte de danser pour Dieu. N'aie pas honte de louer Dieu. N'aie pas honte de célébrer. N'importe où, bien-aimé, dans l'espace et dans le temps, où que tu te trouves, bien-aimé, apprends à louer, à célébrer Dieu. Apprends à faire connaître ses hauts faits. Dis aux gens, oh, le Seigneur est bon dans ma vie. Voici ce qu'il a fait. Je voudrais le louer pour ce qu'il a fait dans ma vie. S'il faut danser, danse pour lui. Ne danse, bien-aimé dans le Seigneur, pour rien au monde, à part danser pour Dieu seul. Personne ne t'a crié. C'est lui qui a chanté, n'est-ce pas, la nature ne t'a pas crié. Mais c'est lui qui a chanté, n'est-ce pas, les hommes ne t'a pas crié. Comment tu es en train de danser? Mais non, tu es en train d'encenser une femme. Toi, tu es en train de danser. Parce qu'on est en train de louer une femme. Que Dieu nous aide, hein. Que Dieu nous aide. Et la même personne se moque de celui qui est en train de danser pour Dieu. Oh, ce sont des gens foutus là. Et beaucoup de gens portent la malédiction sur eux. Parce qu'ils se sont moqués, n'est-ce pas? Ils dansent, n'est-ce pas, bien, pour les femmes qu'on a louées, qu'on a adorées. Mais ils se moquent de ceux-là qui dansent pour Dieu, qui les a créés. C'est pourquoi vous avez vu tout le peuple béni le Seigneur. Sont censés louer Dieu, sont censés célébrer Dieu. Tout le monde, sans exception aucune, tout le peuple. Alléluia. Tout le peuple est béni dans le Seigneur. Alléluia. Les psaumes 150 béni dans le Seigneur. Les psaumes 150, le verset 1 à 6. Je vais terminer par là. Les psaumes 150, le verset 1 à 6. Je ne le projette peut-être pas, mais je vais le lire. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les tambourins, avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je dis bien, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel.
c'est le psaume 150, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Louez-les pour ses hauts faits. Alléluia. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez-le, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Bien-aimé. L'univers tout entier, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est l'étendue où éclate la puissance de Dieu. Nous devons le louer n'importe où. Que tu sois en Chine, que tu sois en Inde, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique. Bien-aimé, tu dois louer Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompe, bien-aimé. Que ce soit avec les instruments, que ce soit avec la voix, loue Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, loue Dieu. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur. Loue Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Louez-le avec le son de la trompette. Louez-le avec le lupela. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Alléluia. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, bien-aimé. Avec des danses, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons louer Dieu avec des danses. Alléluia. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que toute la louange revienne à notre Dieu. Alléluia. Que tout ce qui s'arrive, tout être vivant, même les arbres, même les oiseaux, doivent louer Dieu. Que tout ce qui respire, c'est-à-dire tout être vivant, les arbres, les oiseaux, les poissons, les animaux, bien-aimé dans l'océan, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été créé pour louer Dieu. Eh bien, que toute la louange revienne à l'agneau des dieux qui a été immolé, n'est-ce pas? Il nous a rachetés pour le louer. N'oublie pas, tu as été créé pour louer Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci grand roi de l'univers. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Maître du ciel et de la terre, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour, pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Alléluia, Maître du ciel et de la terre. Merci, grand roi de l'univers, pour ton amour. Merci, grand roi de l'univers, pour ta fidélité. Merci, grand roi de l'univers. Seigneur, merci. Alléluia. Glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire dans chaque détail, dans chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons terminer, n'est-ce pas, par cette louange, n'est-ce pas? Alléluia. Nous voulons nous réjouir, n'est-ce pas, bien-aimé dans la présence de notre Seigneur, notre Dieu. C'est vous dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, la joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Alléluia. Apprends à louer Dieu, bénémoine dans le Seigneur. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus, mon roi, dit. Alléluia. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te réjouir, n'est-ce pas, dans ces dieux-là. Alléluia. Alléluia. En Jésus,
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Jésus-Christ. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux. Alléluia. Alléluia. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Tu dois te réjouir dans le Dieu de ton salut, bien-aimé. Celui qui t'a sauvé, celui qui t'a racheté, n'est-ce pas? Réjouis-toi en ce Dieu-là. Alléluia. Celui qui t'a sauvé. Je veux me réjouir dans les dieux de son. Alléluia. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il me fait semblable à ce débit. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. C'est un Dieu vivant, élevé dans le Seigneur. Alléluia, c'est un Dieu vivant. Il est vivant, un Dieu vivant. Il est vivant, ensemble, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Et aïe, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Et allez, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Et allez, ah, tu peux danser là où tu ne te gênes pas. Dieu te voit, tu n'as pas besoin des gens. Sens-toi libre de danser là où tu es. Il n'y a pas besoin des gens. Loue-le parce qu'il est vivant. Loue-le pour ce qu'il a fait pour ta vie. Alléluia. Alléluia. N'aie pas honte, hein. Si tu le renies, lui aussi te reniera un jour. Ensemble, louons le Seigneur, bien-aimé, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur. Toute la louange à notre Dieu, toute la louange à l'agneau immolé. Et ah, louons le Seigneur, il est vivant. Et ah, louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, louons le Seigneur, il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant.
Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est exalté. Jésus est exalté. Jésus est exalté. Jésus est exalté. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Alléluia. Loue-le, bien-aimé. Ouvre ta bouche, loue le Seigneur. Alléluia. Déclare, c'est en fait. C'est pas en silence, n'est-ce pas? Il faut un grand bruit. Fais du bruit. Alléluia. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Et louons le Seigneur, il est vivant. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Nous te louons pour tes offres. Nous t'acclamons, toi, le roi des rois. Seigneur, merci. Nous t'acclamons pour ce que tu es. Nous t'acclamons pour ce que tu fais. Nous t'acclamons pour ce que tu es en train de faire. Nous t'acclamons pour ce que tu feras. Tu es notre Seigneur, notre Dieu. Nous t'acclamons, maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir la fin de notre culte, n'est-ce pas? Que toute la louange à l'agneau des dieux. Notre numéro de compte est là, la Nouvelle Jérusalem, ah oui, vous avez une offrande, section de l'église, les savent, n'est-ce pas, vous apportez votre offrande en toute liberté, n'est-ce pas, bien-aimé. C'est aussi une manière de louer Dieu aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous le louons, bien-aimé dans le Seigneur aussi, avec tout ce qu'il nous a donné, les cymbales et tout ça, et aussi nous le louons, bien-aimé dans le Seigneur aussi, avec ce qu'il nous a donné comme finance. Voilà, bien-aimé, que Dieu vous bénisse, un bon dimanche, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse venir sur vous sa face et vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés toutes les familles réunies, hein, la famille Marodios, la famille Malala, la famille Martin Chanda, Maman Sandra Antikat, la famille, mon frère de Kinshasa aujourd'hui m'a suivi, n'est-ce pas, de Lubumbashi, à mon frère Marc, c'est mon grand frère, mon frère de sang. Que Dieu te bénisse, Papa Marc. Donc, ma nièce Kéti à Kinshasa, sois bénie. Maman Esther Mayamba, toute la famille Madoudou, que Dieu bénisse. Maman Maria, soyez bénie abondamment. Maman Blandine, toute la famille en France, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Laurel, sois bénie ainsi que toute la famille. Maman Janine, que Dieu te bénisse ainsi que toute ta maison. Alléluia, soyez bénie, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Alpha, que Dieu te bénisse. Maman Godios, soyez bénie, n'est-ce pas? De tout cœur, en tout cas, soyez bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de vous, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. De tout cœur, en tout cas, merci, n'est-ce pas? De tout cœur, merci, 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 merci. Maman Thérèse Nyangé, que Dieu bénisse abondamment, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse toute ta maison, toute ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Alléluia. Et que Dieu nous donne toujours. Maman Félix, que Dieu bénisse.
Alléluia. Papa Jean-Paul, sois béni, un bon dimanche. Que Dieu bénisse de tout cœur, n'est-ce pas? Alléluia. Papa Willy, que Dieu bénisse de tout cœur. Maman Mimingama, que Dieu bénisse. Soyez bénis, vous tous, bénis, qui vous êtes connectés, en tout cas, pour ces cultes, en tout cas, que Dieu se souvienne de vous. De tout cœur, merci. Un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Continuons, bien aimés, à louer Dieu, n'est-ce pas? Dans l'espace et dans le temps. Dans le temps et dans la durée. Louons Dieu à tout moment, de manière permanente. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la tristesse. Louons Dieu! Car il a fait pour nous des grandes choses. Soyez bénis.